Nous voilà pour la suite de Hiroshima. Ça va s'appeler Nagasaki. Donc tu sais pas du tout ce qui le début ce matin, je le chambre. Attention, il y a Nagasaki. Donc on a profité d'un moment d'accalmie. Donc c'est une bombe atomique alors. Là, disons que c'est normalement plus fort que Hiroshima puisque ça a été la deuxième bombe. Mais bon, ça c'est moi qui le dis. Hein. Tiens, j'aime bien quand c'est tout propre moi. Allez. Alors on a trouvé un caméraman. On va voir s'il s'en sort bien. Écoute-moi bien, Jérôme. Tu vas couper, tu vas regarder une carte, d'accord ? Et je vais essayer de la retrouver. Je sais. Non, mais je sais ce que tu te dis, Jérôme. Tu n'as pas mélangé le jeu. C'est ça que tu te dis ? C'est pas faux. Alors, regarde ce que je fais. Voilà. Tu prends la moitié du jeu. La moitié, ouais, à peu près. Ok. Et tu mélanges. Et je mélange. C'est fort, déjà. Ça part bien, ça part bien comme l'autre, et tu peux ça me plaît. Et tu peux remettre. Et je remets. Ouais. Allez, super, impeccable. Et là tu te dis, mais c'est vrai, parce que je suis en train de me poser la question, tu dois te dire, on a pas mélangé dessous, c'est ça? C'est pas faux. Eh ben, tu coupes et tu prends le dessous et tu mélanges. Je coupe, ouais. Je prends le dessous. Et tu mélanges. Et je mélange. Non, parce que j'essaie de me mettre à ta place avant de... Parce que le tour, il n'a pas commencé encore, mais je voudrais que... Et tu le remets par-dessus. Et je le remets par-dessus. Par-dessus, hein? Ouais, ouais. Okay. Et là tu es en train de te dire, mais pourquoi il m'a fait mélanger la moitié du dessous et après la moitié du dessus? Il a dû avoir une... Tu as envie de mélanger la totalité, c'est ça? Ah, vas-y, mélange la totalité. Allez. Ah, t'as fait un truc comme ça? Ah ouais, là, c'est dur. Alors, qu'est-ce que tu pourrais te dire? Tu pourrais te dire... Ah ben là, c'est sûr, certain, c'est mélangé. Ah, tu pourrais te dire, c'est un jeu biseauté. Tu sais, il paraît qu'il y a des choses où c'est... Vas-y, regarde. Non? Ou peut-être... tu sais, des cartes plus courtes, ils n'ont pas la même taille, des choses comme ça. Non. Non, parce qu'avant de commencer le tour, je voudrais d'abord que tu sois clair dans ta tête. C'est un jeu qui est tout à fait ordinaire. Et mélangé, alors. Et mélangé. Je sais ce que tu te dis. Peut-être, alors j'essaie de me mettre dans ta tête, peut-être qu'il y a plein de cartes de la même, identique, plusieurs fois les mêmes, parce qu'on n'a pas encore vu les cartes. C'est pas faux. Alors, tu vas te mettre de là à là, et tu vas bien étaler, et tu vas regarder les cartes une par une, et le caméraman va s'approcher. Étale-les bien, que tu les vois tous, là. Vas-y, moi je me tourne. Hein. C'est bon. Parfait. Allez. Tu peux rassembler? Ok. Je sais ce que tu t'es dit, mais c'est fort. Tu t'es dit peut-être que j'ai jeté un petit coup d'œil. Ah, sûrement. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le nombre de cartes que tu veux du dessus. Par exemple, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On s'en fout, tu les prends, tu les comptes dans ta main, tu les prends. Je les... Tu les sors. Une par une ou comme ça? Non, comme tu veux, on s'en fout. D'accord. Donc, le nombre que tu veux, je veux pas le savoir. Parce que j'aurais pu prendre des petites marques avec mes petits yeux. Voilà. Tu as pris ce nombre? Oui. Tu le poses à l'écart? Ouais. Et tu prends le même nombre en partant du dessous? Et je prends le même nombre en partant du dessous. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas d'embrouille. J'ai pas pu repérer des petits coins, des petites choses. Je sais même pas ce que tu as fait là, en plus. Tu poses au milieu le gros. Et t'as les deux autres paquets, là, c'est bon? Okay. Tu les mélanges ensemble. Alors, attends, lesquels? Les deux que t'as pris. Les deux que j'ai pris de dessous. D'accord, je les mélange ensemble? Ouais, tu mélanges ensemble. Alors, je sais pas où tu veux en venir. Donc maintenant, okay. Tu les resépares en deux le même nombre et tu remets un paquet dessus. Je sépare en deux les mêmes nombres? Ouais. Là, pour l'instant, on est en train de... Yes. Hein, que ça soit net. C'est et bon, j'en remets même... une dessous? Une dessous. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais le te protocole dire, il est bizarre. Qu'est-ce que tu pourrais te dire? Tiens, regarde ce que tu vas faire. Tu vas prendre un petit paquet du dessus. Ouais. Le nombre que tu veux. Un petit paquet, ok. Voilà, tu le mets à droite. Ouais. Et un petit paquet du dessous, on va le refaire différemment. Et un petit paquet du dessous. Et tu vas le mettre à gauche. Et je vais le mettre à gauche, ok. Maintenant, la carte qui est ici. Oui. Je ne peux pas la connaître. Ah, impossible.
Eh ben voilà, ça commence. Voilà, c'est ça que je voulais savoir, Jérôme. Est-ce que c'est bon, là? Ouais. Alors, tu la prends en connaissance? Ah ouais, c'est impossible. Et okay. Tu la montres à la caméra. Ok. Tu la remets. Ouais. Et tu coupes. Et je coupe? Oui, tu coupes. Ok. Mais je sais ce que tu te dis. Peut-être que c'est un jeu marqué. Que si je me retourne, je peux voir le nombre de cartes que tu as là ou le marqué. Non, c'est pas est-ce un jeu marqué. Est-ce que si c'était un jeu marqué, le nombre de cartes qu'il y avait sur le paquet qu'il y a là-bas? Non, c'est impossible. S'il était marqué, je pourrais savoir le nombre que tu as. Non, même s'il était marqué. Même s'il était marqué. Écoute, on sait jamais. Mets les mains dessus, que tu caches le petit paquet et l'autre petit paquet. Ça y est. Je peux me retourner? Oui, ben c'est impossible de retrouver. Hein? Ah, on sait jamais, tiens, faut... Si tu la retrouves, c'est fort. Ça te plaît, là? Ouais. Ouais, je parce peux... que j'ai mélangé... Ah mince! J'ai oublié de te dire un truc. Je vais étaler le jeu. Mmh. Normalement, tu aurais dû le faire. Et tu vas essayer de voir ta carte. Tu la vois? Tu aurais dû le faire tout seul, ça. Tu la vois? J'étale. Oui. Tu la vois? Tu la vois quelque part? Je l'ai vu quelque part. Tu la regardes pendant 7 secondes. 7 secondes. Tu la regardes bien. Non, c'est important. Ça, tu aurais dû le faire tout à l'heure pendant que j'ai le dos tourné. Mais là, il était... Ok. C'est bon? Parce que le chiffre 7, c'est important. On ne sait pas pourquoi, mais il y a les 7 doigts, les 7 péchés capitaux, les 7 jours de la semaine. C'est vrai. Les 7... Qu'est-ce qu'il y a? Merveille du monde. Normalement, il y aurait eu 8 avec moi, mais il y a 7. Il y a eu... il y en a eu plein. Ah, à 9 mois, un enfant, il a ses dents qui commencent, ouais. En moyenne. À 7 ans, il commence à les perdre. Tu vois, le 7 D'accord. est important. Donc, je vais me servir de ce chiffre 7 pour essayer de retrouver ta... Ok. Peut-être qu'elle est en 7e position, mais là, ça serait un miracle. Là, ça serait un miracle. On regarde la 7e, quand même. Ouais. 3, 4, 5, 6... Tu dis rien. Ouais. C'est pas ta carte. Non. Ah. Ah, je dis rien. Non, mais si c'est pas ta carte, tu le dis. C'est pas D'accord. ta carte. Parce que ça aurait été un miracle. Mmh. Peut-être en 14, donc j'irai voir la 14e. Celle-là? Ah non, celle-là, c'est... J'avais l'impression que tu vois, parce que ça, quand tu as regardé 7 secondes, qu'elle s'était mise là. Mais celle-là, c'est l'empreinte que je vois. D'accord. Le genre d'empreinte. Donc c'est pas ça. Le protocole me plaît, hein. Mais comment tu vas la retrouver? Je peux pas la retrouver. Tu vas soulever une des deux mains. Une des deux mains? Ouais. Vas-y. Allez. Mets dessous. T'as vu, t'as, imagine que ta carte, elle est en position de là. Combien t'as de cartes là? Tu savais même pas. Non. Combien il y en a? Je sais pas. On regarde. En position qu'elle a? Ouais. Nagasaki, vas-y. Mais non, je sais, c'est impossible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pouvais pas savoir et toi non plus. Ah, impossible. Il n'y a rien que je pouvais savoir. J'attends. Si ma carte, elle sort en 12e, c'est balèze. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'était quoi? C'est une carte noire déjà. C'était quoi? Une trèfle. Oh. Nagasaki? Ah, il sort, c'est quoi? Le 8. Ah, c'est malaise. 8 de trèfle. Oh, bon. C'est vrai que c'est fort, là. Hein? Là, ça vaut largement son nom, celui-là. Ça veut dire que vous pouvez enchaîner avec Hiroshima. Vous lui faites un Nagasaki et bam! C'est malaise. Il faut que je le remonte. Hein. Ah, c'est impossible. C'est la bombe atomique, il ne comprend pas et j'ai bossé toute la nuit jusqu'à 2h du matin. Pour les textes, pour tout ci, pour tout ça. Mais le truc, c'est que tu m'as dit de couper ça et de couper une partie du dessous. Et je me suis dit, il y a une partie du milieu qui va être jamais mélangée. Mais j'ai coupé 26-26, donc j'ai mélangé le jeu en entier. Ah merde. Je sais pas ce que t'as fait, de toute façon j'ai tourné. Je t'ai demandé de prendre un petit peu, un petit bout. Toi, tu as pris des grands bouts. Il fallait pas le faire. Il y a un petit peu. Tu as mélangé. En plus, tu as cru que j'allais voir des trucs. Donc, tu as mélangé du dessus, du dessous. Tu as remis n'importe comment. Le tas là-bas que tu as pris comme tu veux. Allez, on prend un tas, on met la main dessus. Allez, bim. C'est vrai que c'est balèze.
Parce que, même que je sais que tu as regardé forcément une carte clé, quelque chose quand tu es allé, mais qu'est-ce que tu regardes? Puisque de toute manière, je mélange par la suite. Mais je t'ai fait croire plein de choses depuis le début. Donc je suis parti sur des choses qui servaient à rien. J'en suis sûr que je connais en plus. il dit qu'il connaît, regardez-moi le. Non, mais j'en suis sûr que je connais. Tu l'as vu la couverture, je te la donne. Ce principe de complémentarité. Bon, voilà. Eh ben voilà. Non, c'est, là comme ça, c'est. À froid. Non, c'est impossible de trouver. C'est vraiment balèze parce que. C'est vraiment balèze. Tu m'as dit de couper là, de regarder celle-là. On en a rien à foutre. Tu peux ni connaître celle-là parce que j'ai mélangé le jeu en entier. J'ai détourné. T'as coupé. J'ai coupé. Donc elle est vraiment perdue quelque part dans le milieu du jeu. Et là, qu'est-ce que tu regardes? J'ai rien regardé à ce moment-là. Si, non. T'as forcément regardé quelque chose. Mais non, quoi? Non, j'ai pas regardé. À partir de tout ça, je regardais plus. J'ai même pas regardé. J'étais tourné de toute façon. Et pourquoi tu viens et tu comptes? Comment tu sais? Non, mais j'ai cherché 7, moi. Combien de cartes il faut compter? Le chiffre 7, tu te rappelles? 7 merveilles du monde. T'as assez fort, hein? Refais-moi le, il faut que tu prépares ton jeu. Oui, c'est sûrement, oui. Ah bah non, parce que je le mélange. Eh oui, je suis con. Je veux que l'on refasse. Vas-y, mélange. Refais-moi le, attends. Refais-moi le, non, c'est vraiment malaise. Pour voir s'il arrive à. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, je t'ai vu. Mais non, mais c'est complètement pour m'embrouiller et j'ai compris que c'est. Vas-y.